suis rentré sur BLG 90 il y a 8 semaines. C'est le seul programme sur mes 35 ans où je fais attention à mon poids et mon physique. Depuis l'âge de tout petit, voilà, j'ai des problèmes de poids. Après, voilà, il y a plein de choses qui se greffent à côté, mais voilà, moi j'ai des problèmes de poids depuis petit et j'ai tout essayé. Donc ça marchait plus ou moins, mais le problème c'est que je m'infligeais, en plus du basket, des courses à pied tous les jours de 10 km. Et bon, à un moment donné, c'est plus possible parce que voilà, on s'écœure et les résultats sont là au début, mais vous perdez du muscle, vous avez mal aux genoux quand vous rentrez, vous abîmez les genoux. Donc plus possible. Plus possible. J'ai essayé de passer aux fruits et légumes, pareil. Ça a marché sur un peu de temps, mais le problème, c'est qu'après, le corps s'habitue et vous reprenez. On ne se sent plus bien du tout. C'est là que Jérôme m'a dit, écoute, moi, je pense que tu cours après quelque chose, mais pas la bonne chose, en fait. Il me dit, moi, j'ai quelque chose à te proposer. Il dit, voilà, c'est un programme où tu vas faire un petit peu de muscu poids du corps à la maison avec une alimentation qui te convient par rapport à ton poids et ta taille. Et il me dit, je te garantis les résultats. Donc, évidemment, ben, les résultats, ils sont là. Hein. Les résultats sont là, une pêche d'enfer. J'ai repris, moi je fais beaucoup de vélo maintenant, et pendant un mois j'ai stoppé le vélo, voilà, sur les conseils de Jérôme, pour vraiment laisser le corps se réhabituer, reprendre du muscle. Et ben là j'ai repris une patate d'enfer. Ce programme en fait permet sur la semaine de entre 30 et 40 minutes de faire sa séance et de passer à autre chose. Donc c'est un programme qu'on peut tenir toute une vie, je pense, avec une bonne hygiène alimentaire. Je vous conseille ce programme à 1000%. Franchement, c'est la première fois que j'ai des résultats comme ça. Donc, pour ceux qui pourraient hésiter, allez-y les yeux fermés et Jérôme sera de super conseils.